Aujourd'hui et pour 2 jours à Paris, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement est réunie pour un sommet mondial à l'initiative du président français pour lutter contre la pauvreté et s'adapter au réchauffement climatique avec une nécessité, trouver des fonds, trouver des financements. Jamais aucun décideur, aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète. We come to Paris today with a heavy heart. But with hope. And Emmanuel, privately I call this the How Dare You Summit. How dare you? How dare you upset the order? How dare you step out of your crease and summon us all to this inflection moment that will determine whether we will have the capacity and the will to bring pace and scope to the problem. On estime qu'il faudrait 2000 milliards de dollars pour que la majorité de l'humanité puisse affronter la crise climatique et sortir de la pauvreté. Ça peut paraître des montants faramineux, mais on a dépensé beaucoup plus pour le Covid, c'est ce que vous dites. Cet argent-là, quand on le cherche, on le trouve. Oui, cet argent-là, quand on le cherche, on le trouve. Généralement, quand ce sont les pays du nord du monde qui ont des problèmes à régler, ben, on s'arrange toujours finalement avec les règles du système de financement international, y compris pour finalement faire de la création monétaire alors qu'on avait dit non, ou pour adopter une loi anti-inflation alors qu'on avait dit qu'on ne jouerait pas avec les règles du marché, etc. Mais quand c'est le sud qui est en difficulté, et il est en difficulté monstrueuse en ce moment, entre le retour de l'extrême pauvreté, entre des pays qui sont surendettés, pris à la gorge, qui n'arrivent plus à financer leurs services publics de base, entre les catastrophes climatiques, eh bien, ce Sud-là, il a besoin qu'on vienne l'aider. Et tout l'objet de ce pacte financier mondial, c'est de réfléchir à comment trouver des financements pour soutenir la lutte contre le changement climatique, mais aussi la pauvreté. Et puis, les aider aussi à payer leurs dettes. C'est aussi l'une des priorités soulignées par Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Elle avait été interrogée mardi sur France Inter. Ce à quoi on assiste depuis 2019, c'est vraiment une globalisation des problèmes auxquels font face les plus pauvres du monde. On l'a vu évidemment, l'exemple du Covid, mais on a eu d'autres exemples. La guerre en Ukraine a des effets immédiats directs sur l'Afrique, par exemple avec l'augmentation des prix alimentaires. L'inflation aux États-Unis et en Europe a conduit à une augmentation des taux d'intérêt qui a conduit à des difficultés énormes de service de la dette dans des pays. Donc, Une crise qui existe chez nous s'est transformée en une crise qui existe en Afrique. Des crises qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans ces pays qui n'ont rien demandé finalement, comme le Kenya par exemple, qui a dû faire le choix en avril dernier entre payer la dette ou payer ses fonctionnaires. Oui, c'est ça. Il y a une cinquantaine de pays aujourd'hui qui sont vraiment... Oui, c'est ça. Le Kenya n'est pas le seul, c'est un absolument, exemple. Mais qui sont confrontés à ce surendettement. Et vous avez raison de dire que à côté des pays qui sont vraiment alors, au bord du précipice, comme par exemple le Ghana ou la Zambie, et donc en situation quasi de défaut de paiement. Or, quand on est en défaut de paiement, ça veut dire qu'on ne peut même plus emprunter sur les marchés financiers. Donc, globalement, on ne peut plus rien payer, on ne peut plus rien faire. Hein. Donc, à côté de ceux qui sont vraiment à ce stade-là, il y en a qui sont un peu moins, dans une situation aussi dramatique, mais quand même, celle que vous venez d'évoquer en est un exemple, c'est-à-dire quand on est obligé, parce qu'on veut s'acquitter des intérêts de sa dette, d'arrêter de payer ses fonctionnaires, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et vous savez, les deux sujets qu'on évoque là sont quand même un peu liés, le premier sur la question migratoire et celui-ci, c'est-à-dire celui de l'organisation de notre monde et de la justice de notre monde. Ils sont liés, non pas comme certains le disent, parce que c'est la misère du monde qui vient chez nous. Je veux dire, les études montrent qu'en fait, les gens qui migrent vers nous, sauf quand il s'agit de demandeurs d'asile persécutés, mais les gens qui migrent vers nous sont plutôt des gens qui ont un peu plus de background, diplôme et un peu plus de moyens que les plus pauvres des plus pauvres qui n'ont même pas la capacité de sortir de chez eux. Donc pas dans ce sens-là, mais dans le sens où, malgré tout, quand on regarde beaucoup des gens qui viennent chez nous, ce sont des gens qui estiment qu'ils n'ont pas de perspective chez eux, qu'ils n'ont pas les perspectives auxquelles ils aimeraient pouvoir aspirer chez eux.
Et pourquoi ils n'ont pas les perspectives? Bien sûr que certains États du Sud sont problématiques en soi parce qu'ils sont corrompus, qu'ils ne font pas le travail et qu'il y a des conflits et des guerres. Mais il y a aussi beaucoup d'autres États, par exemple, là, vous venez de citer le Kenya, mettons, qui voudraient pouvoir gouverner, voudraient pouvoir financer des services publics, mais sont confrontés à de telles règles d'accès au marché financier où c'est beaucoup plus cher pour eux que pour les gens du Nord, que pour les pays du Nord, de telles règles de non-assistance au moment où ils en auraient le besoin, alors que, je l'ai dit à nouveau, au Nord, quand on a été confronté au Covid-19, on a su s'inventer des règles, y compris en Europe, pour s'assister les uns les autres. Au Sud, ils ont le sentiment de n'être jamais aidés au moment où il le faut, alors même qu'ils sont les premières victimes en ce moment de catastrophes climatiques, les inondations, les feux de forêt, la sécheresse qui a triplé en Afrique subsaharienne, catastrophes climatiques qui sont la résultante directe de décisions qui ont été prises au Nord, d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été faites au Nord. Donc c'est ça la grande injustice. Et ce dont il s'agit maintenant, c'est de sortir de simplement, tiens, la charité, on va s'aider, on va faire de l'aide publique au développement et tout ça. Les montants ne seront pas à la hauteur de ce qu'il nous faut. Il faut penser la réorganisation de comment fonctionne notre système international. On a notamment la Banque mondiale, le FMI, qui ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour, soi-disant, aider le monde entier, soutenir financièrement et économiquement le monde entier. Aujourd'hui, elles ne le font pas suffisamment avec le Sud, parce que les règles qu'elles se sont imposées, de ne pas prendre assez de risques, etc., les empêchent de mettre les moyens qu'elles devraient mettre. On estime qu'elles pourraient les tripler. Donc c'est un peu ce genre de choses qui est discuté, en effet, et résoudre le problème des dettes en fait aussi partie. Durant ces deux jours, toutes les prises de position et les propositions vont sans doute marquer les esprits. Est-ce que vous avez espoir qu'on débouche sur des décisions ? Alors, il y a une chose qu'il faudra absolument faire, sinon, alors là, pour le coup, ce sera un échec, c'est que ce sommet s'acquitte d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris ces dernières années par et qui sont pas tenus, le Nord quoi. Et qui ne sont pas tenus. Voilà. Donc, des financements de sur le d'ailleurs. Climat, absolument, des financements sur le climat, des financements post-crise économique due au Covid-19, qui ont été annoncés il y a plusieurs des années. Des annulations de dettes aussi. Des annulations de dettes dans un contexte où il faut juste avoir à l'esprit que, parfois, quand vous créez un cadre de possibilité d'annulation de dette, après, le pays qui y fait appel voit sa notation dégradée par les agences de notation. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, ces choses-là, il faut qu'elles soient réglées pendant ce sommet-ci. Sinon, le Sud aura raison de dire, mais en fait, vous blablatez et ça ne va jamais nulle part. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi aller plus loin. Si on veut 2% du PIB mondial par an, c'est-à-dire 2000 milliards de dollars par an, bah ça veut dire ce que je viens de dire sur la Banque mondiale en particulier, mais ça veut dire aussi mobiliser le secteur privé. Le mobiliser en l'incitant à aller investir, en dérisquant ses investissements, et les banques multilatérales de développement sont faites pour ça, mais le mobiliser aussi en le taxant, taxant certains secteurs qui sont des grands gagnants de la mondialisation, honnêtement. Les transporteurs maritimes, les extracteurs de fossiles, les maritimes. Absolument, la finance, enfin, les transactions financières, ça c'est vraiment des secteurs qui ont énormément gagné à la mondialisation depuis plusieurs décennies, donc aller les taxer, ça permettrait de récupérer plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Comment est-ce qu'on peut s'en priver aujourd'hui ?